n'ai fait jamais qu'écrire des livres, voilà, avec des textes, des mots. Par ailleurs, j'avais développé depuis à peu près 2008 une pratique, mais totalement amateur, en marge des photos de famille que je faisais avec mon petit appareil numérique. J'avais voilà, commencé un espèce de petit travail obsessionnel sur voilà, des images urbaines que je prenais, qui étaient d'ailleurs parfois même des graffitis, du street art, et puis aussi des choses comme ça, des motifs. Par exemple, pour donner des exemples, des taches d'huile sur le macadam après la pluie, des pigeons, les pinces à linge, enfin, des motifs obsessionnels, voilà, qui sont probablement d'ailleurs ancrés depuis très longtemps en moi, ou des mannequins dans les vitrines. Je les ai conservés, un peu archivés sur ma bibliothèque de mon ordinateur, classés petit à petit par thème. Et puis ensuite, là, c'est vraiment une rencontre, c'est-à-dire cette pratique de mateur-amateur, et ben, tout d'un coup, c'est la rencontre avec Fabienne Pavia des éditions du Bec en l'air, qui, voyant que je commençais à mettre des photos sur mon blog d'écrivain, que je commençais un peu à jouer de temps en temps, à mettre des séries de 2-3 photos avec un sous-titre, etc., a commencé à me dire, mais je peux pas voir un peu ton stock d'images, et puis c'est drôle, tu vas dans plein de directions différentes, etc. Petit à petit, en construisant la maquette du livre, s'est posé un problème que je n'avais pas du tout imaginé. C'est que dans 6 mois, je ne suis pas photographe, mais j'ai quand même des traces de mes... C'est des bribes de regard. Et bien, tout d'un coup, je me suis dit, comment je vais mettre ces regards en regard? Comment je vais les disposer en vis-à-vis? Comment quelque chose va résonner qui est de l'ordre, de, je dirais, d'un espèce de haïku visuel? Et finalement, toute la construction du livre, qui m'a demandé en fait largement autant de temps qu'un livre normal, c'était simplement contemplativement d'essayer de voir comment telle image pouvait résonner avec telle autre, pour des résonances formelles, pour des résonances parfois voilà, d'ironie, de décalage, pour des résonances parfois d'une idée fixe qu'il y a derrière, c'est-à-dire on la comprend ou pas. Et ensuite, il y a eu une ultime dimension. C'était, qui est propre à mon travail, où je vais pas mal vers le texte court, qui était de rendre compte d'une chose, c'était toutes ces photos que je ne suis pas arrivé à prendre. Qu'est-ce que j'en fais? Ces photos obsédantes que j'ai essayé de prendre parfois, que je n'y suis pas arrivé, etc. Et donc j'ai eu l'idée, et ça se passe 3 fois à l'intérieur du livre, de faire des séries avec des cadres vides sur lesquels j'ai mis photos non disponibles d'une certaine manière ou d'autre chose, et d'essayer tout simplement de mettre les légendes en dessous qui rendent compte de ce que j'aurais voulu prendre et de ce pourquoi je n'ai pas pu les prendre. Donc voilà, donc il y a toutes ces dimensions et ça s'appelle Fiascorama. Et les autres, c'est des binômes, binomanie. Donc voilà, donc il y a ce livre, en fait, finalement, il m'a demandé une vraie construction, qui est une construction, en effet, qui pourrait ressembler aux questions que je me pose quand on fait finalement un recueil de nouvelles, un recueil de textes courts. Mais tout d'un coup, c'était en me privant de la parole, puisque même les titres, je les ai tous mis à la fin dans une table des légendes subsidiaires, parce que je me suis rendu compte que d'ailleurs, si je mettais une légende sur deux photos en vis-à-vis, en fait, je commençais à imposer, à expliciter, à commenter, alors que là, il faut apprendre comment se taire, hein, il faut vraiment apprendre à être implicite et à montrer sans parole. Voilà. Et en même temps, je dirais que par rapport à mon dernier texte, Souviens-moi, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit, en fait, c'est son pendant muet. Voilà. C'est son pendant mutique, et ça résonne, c'est les mêmes bribes de mémoire visuelle, et on t'y reconnaît dedans. Il n'y a aucun autoportrait dedans, parce que d'ailleurs je représente peu les êtres humains, c'est plutôt des natures mortes urbaines, et en fait c'est probablement, la mosaïque complète est probablement une sorte d'autoportrait. En fait, c'est pas totalement conditionnel, c'est-à-dire j'ai eu une très 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 brève correspondance avec une auteure que j'ai publiée, qui s'appelle Griselidis Réal, qui est une écrivaine prostituée qui est décédée au début des années 2000. Je n'ai que 2 ou 3 lettres d'elle, elle n'en a pas tellement eu plus de moi. On a même publié finalement, non pas les lettres à moi, mais les lettres à Jean-Luc Hennig, jusqu'à son dernier jour.
Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, par exemple en faisant un livre posthume d'elle où je rassemblais des correspondances inédites, des textes inédits d'elle, Mémoire de l'inachevé, ça s'appelait, le titre je l'avais trouvé dans ses papiers, et ben j'ai eu l'impression de continuer à correspondre avec elle.